Hello, hello les happy cricketers! Aujourd'hui, j'ai reçu ma nouvelle cricket, la Cricket Maker 3. Alors avec vous, j'ai décidé de faire un petit unboxing. On va découvrir l'ouverture de cette machine, la dernière sortie par la marque Cricut, une des meilleures machines de découpe à l'heure actuelle. Allez, c'est parti. Ouvrons cette boîte. Et la petite main de ma fille qui était aussi excitée que moi à l'idée de recevoir cette machine. Et donc, Zoé va m'aider pour cette vidéo. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, dedans, nous avons c'est pour nous expliquer où activer notre machine. Nous avons un petit mode d'emploi. Ouais, user guide, un petit mode d'emploi. Ça, c'est nouveau. Alors, attendez. Ah ben voilà, c'est ça. Alors, en plusieurs langues, page 7 en français. Alors, vue d'ensemble de la machine. Mince. On nous explique comment charger un rouleau smart, comment charger le tapis de découpe, comment changer d'outil. Voilà. C'est assez succinct, mais déjà c'est pas mal. Et après, on nous dit d'aller voir le site Cricut. Ensuite, qu'avons-nous? Ah, j'ai pas le droit d'y toucher. Il n'y a que ma fille qui y touche. Ah, donc, un petit échantillon de Smart Vinyl. Vas-y, tourne pour voir. Noir. Ok. Ensuite, nous avions la garantie Cricut. Voilà. Et ça, des instructions de sécurité. Bon, c'est assez standard. Ensuite, ça, c'est une protection. Et voici la bête. Alors, d'ici, elle a l'air... elle a l'air plutôt grise que bleue. J'avoue, je trouve ça assez joli. On va continuer à déballer. Vas-y, Zoé. Vous avez remarqué, aujourd'hui, j'ai une aide. Ma fille met d'une aide précieuse et j'ai pas le droit d'y toucher. Ça promet pour la suite. Alors, s'il envoie un peu plus son côté bleuté. Voilà. Et voilà, qu'est-ce qu'on a derrière là-bas? Vas-y. Attends, je vais t'aider. Qu'est-ce qui est à cacher? Ah! D'autres échantillons peut-être? A priori d'autres échantillons, ben on va les découvrir ensemble. Tiens, tu ouvres, Zozo?
Attendez, on revient vers vous après ouverture. Alors, après ouverture de la pochette, nous avons trouvé des échantillons. Donc, un Smart. Ouais, facile, c'est des échantillons. Mais des gros échantillons. Donc, un Smart Iron On. Ah, très bien. Donc, de l'Iron On noir. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça, Zozo? Un Smart Paper. Un Smart Paper, très bien. Donc, un Smart Paper. Voilà. Stickers cardstock. En français, ça donne papier cartonné autocollant. C'est assez épais. Je trouve ça pas mal, ça. Très bien. Faire des cartes de vœux pour Noël et la nouvelle année. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui. Un transfert tape en 30-30. Super. C'est très gros. Et c'est le même que le petit échantillon. Ah, et gros. Encore un vinyle, un Smart vinyle. Mais là, par contre, en 30-30. Donc, on a deux échantillons de Smart vinyle en 30-30. Et puis, voilà. Et celui-ci pour a priori, le test. Qu'est-ce qu'ils disent? Pour le setup, voilà. Très bien. Parfait, ça. Je ne savais pas qu'il y avait tous ces échantillons dans cette boîte. Je ne sais pas si vous, vous étiez au courant. Bon, voilà. Ça doit compenser l'absence de tapis. C'est pas mal. Je trouve que ça, pour le coup, c'est une assez bonne surprise. Avec le mini-guide initial d'utilisation de la Maker 3, je suis assez contente. Voilà. On poursuit. Alors, la voilà déballée. La bête. Pour montrer sa couleur exacte. Comparé à l'autre d'à côté. Un peu jaune. Champagne, ça s'appelle. Donc celle-ci est bleu, oui, bleu gris. C'est parfait parce que je m'attendais à un peu argenté selon ma fille. Je m'attendais à un bleu plus soutenu et j'avoue que la couleur là n'est pas désagréable. C'est parfait. Alors voilà la machine déballée. Donc vous avez donc la Cricut Maker 3. Vous avez aussi le câble d'alimentation de la machine avec et la prise américaine et la prise européenne et le câble de liaison avec votre ordinateur, câble USB. Donc, pour l'ouvrir, rien de plus simple. Voilà. Il vous faut ensuite ôter les éléments de protection des lames et stylos, enfin porte-lame et porte-stylo. Vous voyez que est livré avec la machine la lame pointe fine. Hop, que je replace. Donc vous avez là des compartiments pour mettre vos stylos. Là, le rail pour votre tablette. Un petit tiroir. Personnellement, moi, je range mes outils et mes lames. Elle est trop belle. Et ici, les nouveaux boutons de fonction de la machine. Donc le on-off, chargement-déchargement, ce qui remplace le bouton Cricut et le bouton pause. Voilà, pour lancer la découpe, la gravure, etc. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à l'installer sur mon Cricut Design Space. Et cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez voir une vidéo sur l'installation d'une Cricut, j'en ai déjà fait une sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller la consulter. Et maintenant, je vais tester
moi-même d'abord cette machine, puis je reviendrai probablement vers vous avec d'autres vidéos. Voilà, salut salut les Happy Cricketers!